t'inquiéter. Responsable de guérir le malade. C'est presque le médecin. Alors le médecin et le pharmacien, de cette période, sont appelés les prêtres. Parce que c'est eux qui... Il y avait des prêtres écrivains. Il écrit tous les documents et tous les événements qui se passent dans le temple. Il y a deux ou trois chambres qu'on appelle la bibliothèque du temple où il commence à mettre tous les documents qui parlent du temple. Mais tous les prêtres, ils avaient un grand chef. Le grand prêtre. Le grand prêtre, il était choisi.